Et yo tout le monde, c'est PixMessab et aujourd'hui, bah, comme vous voyez, on se retrouve pour une vidéo facecam. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo comme celle-ci. Simplement bah, parce que j'avais commencé à refaire mes lives et tout ça via ma chaîne Twitch vu que j'ai réussi à avoir la fibre. Enfin, au bout de... J'avais attendu bien plus de 7 mois. Donc là, ça va faire à peu près un an que je suis dans mon nouvel appartement et que j'ai rattaqué que ce soit les vidéos et les streams. Les streams, on est passé, pour ceux qui se demandent un petit peu, ça fait à peu près un an entre guillemets qu'on a redémarré. Là, pour l'instant, en termes de chiffres, on est passé de 120... Je suis passé de 120 followers à plus de 300, ce qui est un nombre incroyable, enfin, ce qui est énorme. Ça, pour certains, c'est en mode « ouais, c'est rien, c'est pas gagné, t'en as pas vraiment gagné beaucoup », mais sur Twitch, qui est un truc où, enfin, qui est une plateforme où pour gagner des viewers, c'est très compliqué, bah, c'est quand même un chiffre incroyable. Sachant qu'en plus, on a passé le stade affilié, maintenant, ça fait déjà un mois déjà maintenant que je suis passé affilié et que du coup, vous pouvez venir vous abonner à ma chaîne. Donc d'ailleurs, si vous ne l'êtes pas, venez, tout simplement, on s'amuse toujours. Même si malheureusement, ces temps-ci, je vous avoue, mes streams sont un petit peu reculés, on va dire. En fait, c'est avec le boulot que j'ai pour l'instant, avec le Covid et tout ça, comme vous le savez, c'est très compliqué de trouver du travail pour ceux qui cherchent. Et le travail que j'ai pour l'instant, en fait, on a des gros changements d'horaire. Et là, ces temps-ci, pour vous dire, mes horaires, j'attaque moi vers mes premières livraisons vers midi. Et je rentre chez moi le soir, après avoir tout déposé au dépôt et tout ça, vers 21h. Allez, le 20h30, 21h. Donc quand j'entre à 20h30, je peux aller stream derrière et tout ça, une heure et tout ça. Et quand j'arrive à 21h chez moi, j'avoue que tant tout lancer et tout ça, c'est pas long, hein, mais aussi c'est que bah, ça fait, je trouve personnellement que ça fait assez tard. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui, bah, avant, quand j'avais mon autre appartement, pour tous ceux qui l'ont vu aussi dans les anciens streams, tout simplement, j'avais mes vidéos que je pouvais faire. Je pouvais faire plus souvent mes vidéos, parce que là, comme vous avez vu, ce mois-ci, il y avait une vidéo toutes les deux semaines. J'avais un petit peu ralenti le rythme. Et pour mes lives aussi, c'est à peu près pareil. Pour vous dire, cette semaine, ne serait-ce que cette semaine, j'ai fait quoi? Il y a trois lives qui ont été annulés du coup, parce que je suis rentré trop tard, donc j'en ai fait trois quand même en attendant. Parce que d'habitude, je fais un live par jour en fait. Donc je live souvent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et dimanche, du coup, c'est la vidéo YouTube. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, cette vidéo YouTube, elle pop à midi. Tout simplement pourquoi? Parce que je me suis rendu compte assez connement que en fait 20h ça faisait très tard pour une vidéo YouTube un dimanche. Parce que les gens en fait pour beaucoup vous prenez l'école, pour d'autres il faut être en forme pour le lendemain pour le travail. Donc c'est assez compliqué. Donc je me suis dit midi c'est plus tranquille, les gens voilà, pour certains le dimanche se réveille à midi, donc c'est tranquille, au moins ça permet voilà d'être bien devant son écran et tout ça, et d'avoir une petite vidéo tranquillement. Alors, je vais vous donner un petit peu des informations du coup maintenant sur comment tout va se passer. Donc pour ma chaîne Twitch, vous inquiétez pas, tout va continuer pour l'instant comme ça l'est. Je suis en train d'essayer de chercher un nouveau taf, donc si j'arrive à trouver autre chose où j'ai des horaires fixes et où au moins je peux caler mes streams comme il faut, comme je le veux, ça m'arrangera largement, parce que beaucoup le savent, et même vous le savez. Moi je suis quelqu'un qui adore faire ça, adore streamer tout ça, comme beaucoup d'autres gens, comme beaucoup d'autres personnes. Si je peux en vivre un jour, ce serait le feu. Mais bon, pour l'instant on fait comme on fait, on vit ce qu'on on fait ce que l'on aime, et puis voilà. Et du coup, côté Twitch, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, il y a peut-être quelques petits trucs qui vont essayer de venir de temps en temps. J'essaie de faire 2-3 trucs assez changeants. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, parce que tant que j'ai pas changé de boulot, c'est très compliqué pour moi d'organiser des trucs et tout ça. Et tout ce qui est vidéo YouTube maintenant, pour les vidéos YouTube, je vais essayer de changer un peu le format. Je vais essayer de passer du coup à une vidéo toutes les deux semaines. Et je vais essayer pendant
Je vais essayer un petit peu de faire des vidéos comme je le fais encore toujours maintenant. Donc, ou soit des vidéos un petit peu travaillées où je vais en extérieur et tout ça. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire et tout ça. Mais voilà, je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Donc là, pour vous dire, on est quoi? On est le 27.03, moi, quand je tourne cette vidéo, et vous la voyez le 28. Donc là, il y aura une vidéo la semaine prochaine. Je vais faire en sorte de faire pop une vidéo la semaine prochaine. Et après, du coup, toutes les 2 semaines, il y aura une vidéo. Je vais essayer de garder ce rythme de toutes les 2 semaines. Donc tous les dimanches, à partir de midi, toutes les 2 semaines, il y aura une vidéo. Et je dis bien peut-être que je ferai une vidéo bonus par mois en mode où je fais du montage sur les lives. Donc voilà, où je fais un petit best-of de ce qui s'est passé sur les lives, des trucs marrants, des trucs intéressants. Et puis voilà, j'essaierai de faire des petits best-of, genre de une petite dizaine de minutes. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de faire ça pour l'instant pendant un bon petit moment, pendant quelques bons petits mois, à voir si ça va bien marcher, tout ça. Si ça me plaît bien aussi, parce que voilà, j'ai pas quelqu'un qui fait mon montage à côté de moi, ou même par exemple pour mes emotes pour Twitch, pour l'instant, j'ai tout fait par moi-même. Donc, on verra ce que ça donnera, et puis voilà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous tout simplement bah, dans la semaine sur Twitch. J'espère pouvoir stream assez souvent là, ces temps-ci, 6 jours d'affilée. J'espère que je vais pouvoir le faire comme il faut. Et sinon, tout simplement, eh ben, on se retrouve. Et bien pour vous dimanche prochain sur YouTube, à partir de midi, du coup, comme je l'ai dit. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, venez passer sur mon Twitch, n'hésitez pas à continuer à suivre sur YouTube, et puis venez sur Discord aussi, souvent on discute et tout ça, on peut discuter et tout ça, donc voilà. Allez, moi je vous salue, puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut, à plus, petit loto!